Allez, c'est cher. Vous avez fait combien et je vais payer les yeux. C'est deux là par exemple, ceux-là. Ok. On va peut-être en prendre plusieurs. On peut être un bruit dans le chat après s'il y a un professeur. Ouais, le jeu Super Nintendo, c'est combien? C'est... Si je prends, par exemple, si je prends les 3 jeux Super Nintendo plus ça, ça fait combien en tout? C'est à vous les deux. Bonjour. C'est vous qui dites. C'est combien le manga? 4. Et de... Celui-là? Ouais. 4. Ah, oui. Ok. Merci. Il y a un t-shirt. On va faire un oiseau là. Oups. Le vide-grenier est terminé, donc c'est parti pour le compte rendu. Alors, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a des bons petits titres sympas. Donc, c'est surtout un lot. J'ai acheté quoi? Un lot, un gros lot de jeux et une console. Vous allez voir ça de suite. Donc, la console, vous avez vu, on va la commencer maintenant. C'est une Nintendo Switch. Alors, j'ai foutu le Joy-Con quelque part, mais j'arrive plus à le retrouver. Il était avec un Joy-Con gris, donc le Joy-Con gris il fonctionne, le Joy-Con rouge il fonctionne. Alors pourquoi il y en a deux droits, deux gauches? Vous voyez, il y a deux côtés gauche, donc je sais pas pourquoi. Bon, malheureusement la console, j'ai chargé tout ça, mais elle s'allume pas pour le moment. Et à l'intérieur, petite surprise du chef, il y a un petit jeu Switch, hop, regardez ça, et c'est un NBA 2K18, donc pas terrible hein. Franchement pas terrible le truc. J'aurais préféré que ça soit un Mario ou un... Un jeu mieux que ça. Donc la Nintendo Switch, je pense que ça doit être le port USB type C qui ne fonctionne pas. Donc c'est assez facile à changer, c'est pas très grave. Je l'ai payé 40€ au lieu de 50€ parce que tout simplement je ne savais pas si elle fonctionnait, il n'y avait pas le câble d'alimentation. Donc voilà, au pire, de toute façon, j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé pour la reprendre. Donc c'est pas un problème pour me la racheter. C'est pas un problème. Donc la Nintendo Switch, j'ai payé 40€ avec le jeu NBA. Et là maintenant, on va passer au lot que j'ai récupéré. C'est un lot entier de jeux. Dedans, il y avait beaucoup de choses. Alors on va commencer, on va commencer par les Laserdisc, l'ancêtre du VHS, de la VHS pardon. Alors on va commencer avec ce Laserdisc. C'est Eric le Viking. Donc je ne connais pas ce film-là. C'est fait par Terry Jones. C'est un film de Terry Jones. Voilà, ça raconte l'histoire d'un viking, je pense. Hein. Bon, en tout cas, c'est en français. C'est sorti en 89, c'est écrit dessus. Donc, par Film Production. À voir. Je ne sais pas ce que ça vaut. Le deuxième que j'ai pris, c'est... je ne connais pas du tout. C'est
Mission. Alors Mission, je ne connais pas du tout, c'est avec Robert De Niro quand même. Hein. On a Robert De Niro quand même hein, ici, là, vous voyez, Robert De Niro et Jeremy Irons. Donc c'est quand même pas mal. Donc celui-là, c'est un double disque, et il y en a deux à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et il s'ouvre et il y a un petit, hop, un petit, pas poster, mais je sais pas comment appeler ça, un petit décor sympathique, avec des photos du film. Là, on a Jeremy Irons, et on a Robert De Niro, on voit pas là, attendez, il est où? Où est-ce que tu es, Robert De Niro? Ah, il est là. Voilà. Il est là, Robert. Il est allongé tranquille, là. Il fait peur. Robert De Niro. Donc, voilà. C'est sorti en 86. Et en plus, je crois qu'il a même eu un Oscar, apparemment. Ouais, c'est ça. Festival... La Palme d'Or, il a eu. La Palme d'Or au Festival de Cannes de 86. Donc, le film a dû sortir en 85, du coup. Non. Ah non, c'est 86. Donc, je ne connais pas. Et après, le dernier, c'est un grand classique. C'est un West Side Story, ça c'est un grand classique, donc ça se passe à New York, c'est une comédie musicale, je sais pas, je crois que c'est ça il me semble, ils appellent ça comme ça, une comédie musicale normalement. Voilà, c'était une guerre entre deux gangs rivales, et ils s'affrontaient en chantant et en dansant, c'est pour ça que vous voyez les mecs en train de danser là, à l'escalier, et on voit vraiment cette scène là, hein, voilà, où ils sont en train de danser dans l'escalier, et... Et voilà, ça se termine comme ça. Voilà. Je vous spoil, ça se termine comme ça. Voilà, c'est bien, on est spoilé. Donc c'est une édition de disque, c'est fait par la MGMUA, donc, Home Video. Donc voilà, c'est en français. Et en plus, les acteurs, on a Nathalie Wood, Richard Beimer, Josh Shakiri et Rita Moreno. Donc ça, il va rigoler, hein, du coup. Voilà, j'ai payé, donc il y avait ça dans ce lot. C'est pas tout. Maintenant, on va passer au jeu. Bon, ça, c'est des jeux Super Nintendo, comme dirait les inconnus. Donc, c'est des jeux Super Nintendo, mais c'est du classique. Mais je ne les avais pas dans mes jeux Super Nintendo. Vous pouvez constater ici, là. Là, je vais changer derrière celui-là. Donc, je récupère un jeu Super Nintendo. C'est Amazing Tennis, que je ne possédais pas dans la collection de jeux Super Nintendo. Donc, j'ai même pas de jeu de tennis. Donc bah, c'était l'occasion de le prendre. C'est fait par Electronic Arts, c'est sorti en 92. Ah, on va le mettre là avec le jeu Super Nintendo comme ça. Hop. Et ça, on va le faire en jeu. Le deuxième jeu, pareil, c'est un jeu de tennis et c'est Jamie Connor. Tennis, hein, c'est du tennis toujours. Celui-là, il est Pro Tennis Tour, il est marqué. C'est fait par Ubisoft et c'est sorti en... c'est pas marqué 92, si je ne peux plus le... Ça vient d'être sorti en 92, le Jimmy Connor. C'est sans doute le frère John Connor. Et par contre, lui aussi, il a... ça, il va falloir que je change parce que ça, c'est dégueulasse. Je supporte pas ça. Ces couleurs-là, couleur jaune pisse, je vais changer ça, j'essaierai de trouver les cartouches de jeu de merde et je changerai l'arrière. Et le dernier jeu, c'est un jeu de football, parce que je ne possède aucun jeu de football sur Super Nintendo, et là maintenant, j'en possède un. C'est par Elite, et c'est le Eric Cantona Football Challenge. Donc malheureusement, il n'y avait pas la boîte, il n'y avait pas les notices, donc du coup, je me suis content de ça. Surtout le prix, franchement, ça vaut le coup. Donc il n'y a pas marqué la date non plus, du sorti en 92, ça doit être la même chose. Hein. Hop, on le met dans la collection. Celui-là, il est parfait à l'arrière. Et c'est pas tout ce que j'ai récupéré, hein. Il reste encore tout ça, là. Donc on va faire le jeu PS4, c'est... je sais même pas que l'avais pris celui-là en fait, je même pas de l'avoir pris celui-là en fait. C'est le Dungeon & Dragon Dark Alliance, c'est ça, Dark Alliance. En plus c'est en édition Day One Edition, votre groupe leur requiem. Donc à voir, je connais pas du tout, ouais, j'ai jamais joué à un jeu... Ah si, j'ai joué à Dungeon & Dragon, mais pas à ce type de jeu. Quoi. Donc à voir, ça sera fait en Let's Play sur la PS4. Donc le CD est bien sûr dedans, il y a même un petit code de téléchargement je suppose, ouais, c'est ça, il y a un code de téléchargement, je ne vais pas vous montrer parce que moi je suis pas un idiot, je vais pas le montrer, puis les mecs ils vont prendre le code, on sait jamais si ça marche encore. Donc voilà, inclus WhatsApp Beloder Weapon Set, attendez location, ok, c'est numéro 25234 du CUSA. Et les trois derniers jeux, ce sont des jeux PlayStation 2, on va commencer par celui-là, pas de notice, ça se sent direct, c'est le Jak & Dexter, Jak & Dexter The Precursor Legacy, donc celui-là, il n'a pas la notice malheureusement, le CD est en bon état, c'est pas la première fois que je...
que je trouve ce jeu PS2 sans la notice. Ça fait deux fois que je trouve. Bon, en tout cas, il est en super bon état. Il faudra juste rajouter la notice. Et il est en français. Donc, je ne présente pas le jeu, tout le monde le connaît. Hein. Et le deuxième jeu, c'est Jack 2 Hors la Loi. Celui-là, il est en français. Regardez, c'est marqué Hors la Loi. C'est pas comme l'autre où c'est pas marqué en français. Donc celui-là, il est complet. La notice, elle doit être. Ouais, ça arrive au fond. Hop. Panier à l'avant. Voilà, il est complet. Le CD2. Il est dans un état nickel. Ouais, il est tout neuf. Ouais, voilà, ça, comme c'est beau. Pour une fois, ça change hein, d'avoir un CD tout propre. Dans la collection. Donc ça, ça rentre dans la collection. Hein. Pas d'échange avec cela. Hein. Et le dernier jeu de ce lot, vous allez voir à la fin le prix, franchement ça vaut le coup, c'est un Slide 2. Ça j'étais obligé de le récupérer, hein. C'est Association of Voleurs. Ah non, c'est marqué en français, je crois que c'était Association en anglais. C'est Association de Voleurs, Slide 2, c'est ça, Association de Voleurs. Donc je ne connais pas ce jeu, j'ai jamais joué, donc ça sera l'occasion. Ça serait bien de pouvoir le faire en let's play. Malheureusement, pas la notice, mais le CD. Et pareil, le CD est en superbe état. Nickel, il y a juste un cheveu sur le CD. Donc voilà. Donc ce lot-là que vous avez vu, donc tout ça, les jeux PS2, PS4, Super Nintendo et les Laserdisc que j'ai payé la somme de 20 euros. Franchement, c'est parfait. 20 euros, ça fait à peine 3 euros le jeu à peu près. 3 euros le jeu, 3 euros Laserdisc, 3 euros, c'est le prix. Franchement, c'est cadeau. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, c'est pour vous. Ciao.